C'est dans cette ambiance traditionnelle que s'est déroulée la 20e édition du Festival Mariwendo dans la cité de Soravi, Savalo, du 22 au 24 novembre 2019. Ce festival vise essentiellement la valorisation des us et coutumes de l'air culturel mari et la promotion de la langue. C'est pour la pérennisation de cette ethnie que les filles et fils mari du Bénin se retrouvent chaque année pour communier ensemble la confraternité et la solidarité. Nous sommes pour le brassage culturel, mais rien ne doit prendre la place de notre identité culturelle. Marquons-nous mes frères, marquons-nous mes sœurs, prenons soin de notre langue. C'est notre carte d'identité. Si nous la perdons, on aura du mal à savoir qui nous sommes. L'Union pour la valorisation du patrimoine culturel mari a été créée depuis 22 ans à Soklogo, dans la commune de Dassazoumé. Le festival Mariwendo a grandi à travers ses activités et ses réalisations. Mariwendo a grandi parce que déjà, la place Mariwendo qui avait commencé à être construite aujourd'hui est devenue village Mariwendo. Mariwendo a vu naître avec grande joie une commission linguistique, la commission linguistique Mari, qui dans tout le pays est la deuxième commission linguistique enregistrée et reconnue par le ministère de l'Intérieur. La particularité de cette 20e édition de Mariwendo est le renouvellement du bureau exécutif national. Un comité transitoire de 61 membres a été installé, dont des défis importants se dressent déjà sur son chemin. Il y a seulement quelques semaines, le bureau de Mariwendo a été renouvelé. Et ce bureau, commence cette année, se propose de construire la dernière place régionale l'année prochaine à Zayanando. Et à partir de là, toutes les zones Mari auraient au moins une place Mariwendo. Mariwendo, 20e édition, a été marquée par l'immortalisation du premier roi de Savalo, Sa Majesté Dada Sohag Bagidi, qui a vécu de 1557 à 1642. Le festival Mariwendo a été également meublé par la dégustation des mets traditionnels, la valorisation des tenues locales et la promotion des rythmes traditionnels de l'air culturel Mari. Rendez-vous à Zayanando pour la 21e édition.